En face, vous avez l'Epitech. Oui. L'Epitech, il est non, il y a partout l'Epitech, l'Epitech. Il y a sur Internet. Des deux côtés de la rue, et la Web Academy. Vous n'êtes pas, oui, c'est ça, vous absolument. Êtes pas organisé non. De manière séparée entre pas les deux. Pas du tout, pas du tout. Voilà. Là, vous programmez. Avec plaisir. Voilà un programme. On a plus à Gaëtan qui va se connecter à un serveur pour communiquer. Serveur, c'est ça. Le serveur qui va recevoir les différentes connexions. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans l'industrie avec le cluster. Sur la promo, sur toute la promo. Ah ouais, c'est encore pire qu'à Polytechnique. 22 filles. On est. Mais oui, c'est rien d'évident. Non, mais comme ça, parce que c'est plus simple. On va monter la première année, on est sur les outils. Et puis quand on passe en deuxième et troisième année, là on passe sur les usages. Et le but, c'est d'être en permanence dans une ambiance de veille, de créativité, d'être à l'écoute, d'aller rechercher, d'imaginer les usages. C'est très bien qu'une innovation, c'est 80% d'usage et 20% de technique. En fait, vous créez un survivor, vous loguez des gladiateurs sur un survivor. Ouais, c'est ça. Et vous construisez le logiciel qui permet de brancher les uns aux autres. C'est ça, exactement. Et vous êtes au début quand ça part. C'est ça. Enfin, au début, ça fait 300 ans. C'est toute une promo. Donc j'ai à peine démarré en 48 heures. Je n'ai déjà mis à beaucoup parce que Java, je trouve ça très compliqué. Là, vous avez combien de temps pour le faire, mon frère? Jusqu'à 18h. C'était ouais, de 9h à 18h. 9h à 18h, d'accord, c'est un exercice sur la journée. Vous choisissez le binôme ou comment ça? Non, non, c'était tiré au sort. C'est tiré au sort, d'accord. Donc on leur fait refaire un programme des années 70, un jeu des années 70. C'était celui qu'on voyait à la télé. Les deux raquettes. Les deux raquettes, c'est ça. Voilà. Voilà. Avec le joystick, c'était des petites barres, et ça allait de plus en plus vite. Et la barre était plus ou moins. J'ai joué à ça. On a des partenariats aussi avec. Ça sert à la stabilité. Avec la DGA. Donc ça, c'est fait main par les élèves. En fait, on dit aux étudiants, faites ce que vous voulez, est-ce que vous voulez faire un jeu vidéo? Généralement, ils disent oui, et à ce moment-là, ils ont eux-mêmes à fixer tous les objectifs, que ce soit le type d'accord, du jeu, c'est pas le très temps. Encadré, comment... on leur assure juste un suivi, c'est-à-dire que les technologies, s'ils ont des problèmes, des questions sur comment réaliser leur jeu, on les aide. Non. Si elle gagnait là, ça m'inquiète. Mais Nathalie, si tu gagnais maintenant, ça m'inquiète. Regarde. J'ai gagné. Oui, on peut savoir, je vous en prie, c'est pas quand même. C'est rigolo. Donc ça, c'est créé ici. Ouais, bah en fait, comme tous les projets qu'on a mis ici.